Salut, dans cette vidéo, je te montre comment résoudre FaceTime ne fonctionne pas sur iPhone. Alors, pour le faire, c'est relativement simple. On va le faire ensemble dans cette vidéo. La première étape, simplement, vous allez aller sur Paramètres, sur votre téléphone, vous cliquez dessus. Et là, ensuite, vous allez aller chercher l'option FaceTime. Voilà, on va cliquer simplement dessus. Et ensuite, on va activer le FaceTime parce qu'il est possible que votre FaceTime ne soit pas activé. C'est pourquoi il ne fonctionne pas. On va simplement l'activer ici. Voilà. Et ensuite, ici, on pourra ajouter simplement des contacts, des adresses email. On pourra ajouter ici aussi des. On pourra ajouter aussi ici des identifiants Apple et on pourra recevoir des appels en direct lorsque notre téléphone sera déverrouillé. Alors, lorsqu'on a terminé de faire cela, on va se retourner, sortir. Ou encore, si ça ne fonctionne pas nettement comme on le souhaite, on peut aller sur appel reçu. Juste là, la troisième option, on clique sur appel reçu et on active le mode plein écran. Cela permettra de faire en sorte que ça puisse fonctionner encore d'une meilleure manière. Ou encore, on peut sortir simplement, aller sur l'interface de nos paramètres et aller sur Général. Et là, sur Général, on va aller sur Mise à jour du logiciel. Juste la deuxième option là, on va aller sur Mise à jour du logiciel et on va se rassurer que notre logiciel soit mis à jour simplement. Parce qu'il est probablement possible que notre logiciel ait soit une version qui est très antérieure ou bien notre logiciel ne permet pas de faire en sorte qu'on puisse utiliser notre FaceTime. On va faire la mise à jour du logiciel simplement. Et là, lorsqu'on aura fait la mise à jour de notre logiciel, on pourra facilement utiliser notre FaceTime. Donc voilà, de manière simple, voici comment résoudre FaceTime ne fonctionne pas sur iPhone. Comme vous l'avez vu, c'est aussi simple que ça.